En période estivale, le nombre de visiteurs débarquant chaque jour à Belle-Île se compte par milliers. Et pour beaucoup, la première étape du séjour commence ici, chez l'un des deux loueurs de voitures de l'île. Ici, depuis 6 mois, les touristes ont la possibilité de rouler écologique. Le parc compte en effet 9 véhicules électriques allant de la berline à la toute nouvelle Twizy, objet roulant à classer à mi-chemin entre le scooter 3 roues et la petite voiture. Ça fait donc un mois et demi qu'on a reçu nos voitures, et donc électriques. Fait une expérience au niveau de la clientèle, on est très satisfaite. Même certaines personnes qui ont essayé sont plutôt encouragées pour peut-être en avoir une. Donc ça est une bonne chose. Sur l'île, ceux qui ont fait le choix de l'électrique ne tarissent en effet pas d'éloges. Parmi eux, Jackie Bichelot, artisan électricien. Il est le propriétaire d'un Kangoo électrique acheté il y a de cela 6 mois et qui affiche déjà ses 11 000 km au compteur. J'ai fait mon petit calcul au niveau coût de fonctionnement, disons carburant, énergie. Pour l'instant, moi, c'est... Je suis en dessous du thermique. Hein. Bon, j'ai d'autres véhicules thermiques, donc je peux comparer. Hein. Moi, je dis 100 km, pour moi, 100 km, c'est niveau consommation, bon, on tourne autour de 20 kW, c'est-à-dire en tarif vraiment préférentiel, bon, on arrive à 1 euro. 1 euro, si l'on ne prend pas en compte l'allocation des batteries. Pour cet artisan, celle-ci s'élève à 90 euros par mois. La facture réelle tourne donc plutôt autour des 6 euros pour 100 km. Ce qui reste malgré tout une très bonne affaire quand on sait que sur l'île, le prix du carburant a atteint à son plus haut niveau les 1,88 euros le litre. Reste la question de l'autonomie des batteries, à peine 100 km pour la petite Twizy. Finalement, tout à fait adapté pour un site comme Belle-Île. Aujourd'hui, en Europe, 85% des utilisations se font avec moins de 60 km par jour. Ça veut dire que tous les véhicules électriques Renault aujourd'hui commercialisés peuvent permettre de faire cette utilisation. Mais bien entendu, lorsqu'on est sur une île comme Belle-Île, avec 20 km de long et un réseau routier limité, là on est absolument sûr de pouvoir en une journée faire le tour de l'île, pouvoir aller partout, pouvoir se promener sans être en rupture d'autonomie, ce qui est effectivement des conditions privilégiées pour présenter Twizy. Ainsi, Belle-Île-en-Mer est aujourd'hui dans le Grand Ouest l'endroit où l'on compte le plus grand nombre de voitures électriques, une quarantaine en tout, dont 20 Twizy destinées à la location et dont on est déjà à peu près sûr qu'elles feront un tabac auprès des touristes cet été.